What is up, guys? Vajo Kazooie, épisode 2 là? Épisode 2 là. Tu vas avoir un shitload de montage pour, à faire pour l'épisode. Shit! Alright, qu'est-ce que je dis? J'ai oublié de ce que je dis, by the way. C'est ce jeu-là qui va avoir un sequel, whatever. Oui, Ukulele, ouais. Ukulele. Parce que tu vois, je dis. On n'a même pas parlé dans le premier épisode. Non, c'est ça, mais on peut en parler là. Ouais, bonne idée. On va en parler là, Alex. Ah, il est fort, bonne idée. Birdie, c'est ça, le birdie est dans le sac de Banjo. Puis c'est Banjo et Kazooie. Puis là, c'est ça, ouais. Pourquoi qu'il le met dans le sac? Il l'aime pas? Ben non, il met dans son sac. Il n'y a pas de corps. Son corps, le. Ben le. C'est une fille first. Fais dire bonjour par. Hey! Let's go! Tu parles? Oui, hein? Ouais, j'ai t'as besoin de. Prends l'air, Kazooie, c'est une fille, hein? Ah, oui, vraiment? Oui, c'est une fille. C'est une chick. Ça paraît pas, regardez-la. Elle a des cils. Ah, ok. Ouais. C'est ah, fait qu'il fallait avoir au minimum 50. C'est comme la blonde de Banjo. Ah. C'est pas. Non, ils sont pas. What the fuck? Fucking ours. Fourré un oiseau rouge. Il l'a fourré dans son sac! Je l'ai aimé. Okay. Y a-tu du porn de Banjo et Kazooie? Oh, come on. J'ai jamais pensé. Si ça existe, y a du porn. C'est quoi cette ce rule-là? Rule 34. Ah, c'est ça. Oh, God. Y'en a. Oh. It's pretty good. Ew. Non, c'est ça, fait que il y a les créateurs de qui ont travaillé sur le jeu qui étaient comme hey, on pourrait refaire un nouveau studio puis refaire un jeu dans le même style que Banjo-Kazooie. En fait, c'est même très copié. Ah ben c'est fucking c'est l'équipe qui a fait le jeu, ils ont même fait comme le personnage, je veux dire c'est un caméléon avec une chauve-souris sur le dos, tu sais. Ouais. Oh, c'est cute ça. Ça c'est Brentilda, la sœur de Gruntilda la méchante. Mais qu'est-ce qu'elle fait donc dans la vie, maintenant? Je me rappelle pas. Puis bref, pour continuer, pour faire une histoire courte, pour pas faire whatever. Ils ont fait un Kickstarter. Puis eux, ils voulaient faire combien, genre 175 000 pounds. Ce qui équivaut même pas 200 000 piastres? Un petit peu plus. Pounds, they're British? Oui, c'est British. British. Ça peut faire 250 000 piastres. C'est British, non? C'est à peu près 250 000 piastres. Puis en 38... Oh, désolé! Il fallait que ça sorte. Ça faisait mal pendant tout l'épisode 1. Ils ont atteint leur... Ouais. Best episode ever. Don't forget en 38 fucking minutes, ils ont atteint leur 175 000 pounds. Ouais. Puis aujourd'hui, présentement, il était. C'est quoi, j'ai checké hier, il était à 160. Pas loin de 2 millions, là. Non, 2,4. C'est. Ouais, c'est 3 millions, me semble. En canadien, en canadien, ça faisait 3 millions. Ouais. Oh my god. Si on a checké les cartes. Il reste encore 30 jours, c'est malade. C'est fucking ridicule. T'as-tu contribué? Ouais, oui. J'ai fait ma contribution. Laquelle que t'as pris? J'ai pris le. Pour avoir le jeu. Le jeu, là. C'est quoi, c'est 20$? Non, non, c'est plus que ça. Je me rappelle plus. Je pense que c'était 30. 30, 35? Chris, comment on a un fucking tableau? C'est pas fucking Mario, faut que tu ailles trouver la porte de ça qui est ailleurs. What? Fait que le jeu va juste vous coûter 30$. Ouais. Ouais. Pis ça va être sur genre sur Wii U, là. C'est comme un peu sur PC. Quand ils vont le vendre dans le magasin, ça va être moins cher. Ben plus cher. Alors, c'est je sais pas. Ça dépend. Ah ouais? Je pense que t'as raison, Julie. Vous avez un avantage à m'amener, là? Ben, c'est okay. Sûr. Ouais. Oui. Pis il y a un autre jeu qui sort bientôt, qui a été fondé sur Kickstarter, que j'avais. J'avais backé, mais genre juste d'une couple de pièces. Okay. Puis j'allais faire le pre-order pour le jeu. Avant-hier, je pense. Okay. Mighty No. 9. Ah ouais, le jeu qui est comme Mega Man. Mais c'est le créateur de Mega Man qui l'a fait, mais il s'est fait foutre dehors. Ouais. Fait qu'il est comme fuck you guys, je fais mon propre Mega Man. Puis oh, ça a l'air badass, sérieusement. Tiens, il est là. Ah! Treasure Trove Cove! Yahoo! C'est la porte calée où ce qu'il fallait que t'ailles, ça? Ouais, c'est ouais. Le tableau. Fait que dans la un peinture, coffre! Tu remplis la peinture, puis après la porte elle ouvre ailleurs. T'étais cool dans le temps portugais. Non, portugais, il est super cool, il donnait full de cash. Oh yeah! Parce qu'on parle juste au cash anyway. Puis là, Julie, il y a des Jinjo dans les tableaux. Ah, il y a un requin. Tu vois, il y a un. Ah! Je me rappelle de ça, ça y est. Il y a un Jinjo! J'ai secouru le Jinjo! Puis quand tu le pognes, il fait Jinjo! C'est-tu la petite bébite bleue là? Check, il comme... Oui, il est comme Kyogami! Ben le requin est parti! J'arrive! Est-ce oh non! Est-ce que vous avez une certaine garantie en donnant votre argent à Kickstarter au cas où que le jeu. Si, s'il est pas fermé. Pas ou de quoi?
Fuck! You fucking suck balls. Ben oui. Si le jeu est pas fundé, fait que dans le fond, s'il ne ramasse pas assez d'argent, ça prend pas ton argent. Aussi simple que ça. Ça charge pas. Au contraire, ils n'ont même pas encore chargé ton argent. Ça charge pas tant que le projet n'est pas fini. C'est ça. Mais. Qu'est-ce qu'on comprend pas? De comme PT, mettons, là, qui a été annulé. Ouais. Ben, ça, c'est pas un. Si ben, mettons, ça aurait été ça, okay. Il aurait révélé l'argent à tout le monde. Oui. Si oui. Quelqu'un a précommandé Silent Hills ou EB Games. Je voulais juste dire si vous avez une certaine garantie de même, là-dessus. Oui. C'est moi pis Matt qui rage. Fucking damn. Moi, je suis en train de rager parce que tu collectes pas tout. Non, c'est ça, là, on speedrun un peu. Là. God damn it. Fait qu'il y a une vie là-bas. C'est quoi? Ouais, c'est quoi cette patente-là? Good luck. Shark Food Island. Shark Food. Je pense que tu vas aller là. Hein? Néo-Zélande, quel jeu que tu parles qui sort en haut? Mighty No. 9, oui, c'est ça. Sweet. Okay. Non, je pense que c'est septembre. C'est celui que tu as commandé? Septembre, c'est si loin. Non, ou c'est juin? Je m'en rappelle pas. Mais je l'ai précommandé quand j'ai vu qu'il était sur la liste de précommande chez EB Games. Si tu funds un jeu sur Kickstarter puis qu'il ne sort jamais, t'es pas... ils sont pas obligés de te rembourser. Ah, merci Nozilo, c'était ça ma question! Allô, Mathieu! Allô, Mathieu, c'est quoi les fucking 3 petits points, Mathieu? What the fuck? Mais là, si. Bon, c'est assez coupé, c'est pour ça. C'est vrai? Non, c'est pour toi, non. I'm not cheating crackers! Crackers! Oh non! Y'a un requin! Mumbo jumbo. Bloodstained, what the fuck is that? C'est quoi? Tu penses quoi de Blood? J'ai aucune idée c'est quoi, fait que je pense pas vraiment de ça. C'est un jeu de vampire. Moi j'en avais dans mes selles le matin. Comment tu penses que c'est un jeu de vampire, Julie? Ben je sais pas, Blood, vampire, ça faisait du sens dans ma tête là. Non, c'est vrai, ça a été annoncé cette semaine. C'est. Mais t'as raison, Julie, c'est un genre de Castlevania. Ah oui, c'est le créateur de Castlevania, right? Ouais. Non, pas coupé, bon! Ils font tout ça, ouais, tout ça. Ouais, c'est ça, j'allais dire. Pas coupé, non, mais quoi? Et encore des 3 petits points. Fait que... non, il y a un point! Pas coupé, mais j'étais à l'hôpital puis j'ai perdu un bras. Juste épuisé. Non, il y a quelque chose qui se passe. Les 3 petits points, c'était justement pour qu'on y demande. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Créateur du Castlevania, ok, ouais. Jinjo! On va chercher Jinjo! J'arrive, Jinjo! Ah, il est plus bleu! Fait que dans le fond, j'ai aussi l'homme. Tu viens de confirmer que Matt et Alex viennent de sûrement toucher l'argent dans n'importe quoi. Non, c'est non, que... ça va tellement sortir! Mais pourquoi ça va sortir? Parce qu'ils ont garanti que ça va sortir. C'est ça, il n'y a aucune garantie apparemment. Mais ils ont fucking mis 200 millions. 200 millions. Ils ont 2 millions pour faire un jeu, ils vont bien le faire là. Ben oui, je veux dire. Puis, tu sais, ce jeu-là, je veux dire, il y a tellement de monde qui le veut, puis ce gars-là est tellement motivé à faire ce jeu-là là, que. Mais je comprends pas ce que Neo il dit. Si moi je dis, hey, je vais faire un vibrateur pour femme, puis je ramasse 3 millions, puis je le fais pas. Je vais me faire actionner pis je vais devoir rembourser tout l'argent. Non! Oui! C'est ça qu'il dit! Non! Ben Néo, je sais pas qu'est-ce que t'as fumé, mais c'est ça le concept du Kickstarter, c'est que c'est safe. Si tu lis en petit en bas, il dit qu'il y a zéro garantie. Ouais, pis c'est pas 100%. Le doute pourrait se pousser au Mexique avec. Mais tu sais, c'est un projet qui est safe, là. Tu sais, c'est pas fucking. Il y a un gars que j'ai c'est vu. Pas, c'est pas comme le gars qui va faire une salade de patates sur Kickstarter. C'est ça, ouais. Parce que oui, il y a eu un gars qui dit « Je vais faire une salade de patates » puis il a ramassé super plein d'argent. 168 000. Ça, c'est garaché ton argent par les fenêtres sur Kickstarter. C'est pas vrai. Mais il a fait un open house pour les fucking... Comment? Ceux qui ont contribué? Non, mais pire que ça, il y a mieux que ça. Pour les... T'as l'air. Voyons, les homeless puis tout ça. Ah, les sans-abri! Les sans-abri, puis fait qu'il a payé, il a fait une... Ouais, si tu l'as jamais vu, dans la bas de la page à quelque chose, c'est écrit « risque et défi ». Oui, je comprends, dans le sens que si t'es... Ouais, je comprends. Puis c'est... En tout cas, fucking ukulele, c'est pas un risque, parce que le jeu est comme vraiment très avancé, fait que... Si le jeu sort jamais, puis que je reçois jamais mon 30$, je fais tout un don de 500$, tous les viewers qui sont là à soir. Julie est comme pas sûre. Cela pour ta face. Cela prouve mon assurance. Okay. Cela prouve ma confiance dans ce projet. Voilà. Il peut quand même voir ta face à la caméra. Hein. Puis aussi, dans ce qu'Alex vient de dire, il y a une petite section risques et défis. Ouais, c'est ça. Oh, je pensais qu'il y a une fucking ballon qui a éclaté, calice. Ouais, c'est ça.
Ah oui, j'ai les c'est nerf, ok? Ah! Hey, ma casquette! Mes cheveux sont là aujourd'hui. Ah! Ah! Voler ma casquette comme toi! L'autre fois, là, qui me frappe dans la face pis vole. Non, Mathieu! Au ralenti en plus, là. Ah oui, quand que. Ouais, ouais, je me rappelle de ça. Ça, c'était hilarant. Hey, j'ai rien fait à date. Bon. Mais je sais pas, il y a quelque chose je que sais, tu fais fuck all, t'es fucking poche! Mais là, c'est pas une façon de parler à ton ami, hein! Ben là. Moi, je voulais juste jouer à un jeu vidéo avec toi. Tu m'appelles, tu dis on va jouer à Banjo-Kazooie, là on fait juste se promener dans le jeu, on joue même pas. Mais c'est la moitié du jeu, c'est l'exploration de le monde. Non, c'est la collection des items que tu fais pas. Attends, on va aller voir Mathieu qui rote en parlant. Mathieu qui rote en parlant? Monsieur. Oh, oh Mathieu. Oh. Salty Hippo. Fuck. Ah, oh, c'est pas rendu. Je prends note de musique. Ah. Ok, écoutez-le, écoutez-le parler. Silent Hill? What? Non, mais j'essaie de comprendre. C'est quoi l'affaire de Silent Hill? Il me semble que ça avait été canné, ça. Ouais. Oui, mais Silent Hill, c'est pas la même chose. Il était pas fucking Kickstarter. C'est une compagnie qui était déjà startée. Je tenais un exemple. C'est juste ça que je faisais. Ah, c'est toi qui l'avais dit? Non, mais c'est parce que ma chienne en a parlé aussi dans le... Mambo! Mambo, jumbo. Je vais apprendre comment voler. Ok, faut que tu montes sur le poteau en dessous. Sur le poteau en dessous, il y a une tête des morts. Ok. T'en as besoin des têtes de mort. Chicken legs. On n'est pas ici. Mais il fait juste 24. Il fait chaud. Combien de bureau? Hey, moi, je suis frileuse aujourd'hui. Ah, voilà. Ouais. Salut. C'est clair. À job, là, le doc suait, la patiente suait. Hey, il fait chaud ici. Moi, j'étais comme, non. Puis là, 24, tu trouves qu'il fait chaud, j'ai frette. Parce qu'à matin, on s'est levé à la maison, il faisait, je sais pas, 20, 21-ish. Je suis comme, il fait chaud! Mathieu, t'es comme, vraiment? Sérieusement? Je suis comme, oui. Moi, j'ai ma théorie que je suis ménopausée à 29 ans. Ah, ben ça se peut. Tu viens de dire ton âge à tout le monde, Julie. Bravo. C'est correct, il était là pour ma fête. T'as 29 ans? Ben oui, tout le monde le sait à ma fête. On était là pour ta fête? Ben, on a fait un stream pour ma fête de Diablo 3. Ah oui, c'est vrai, on t'a même pas donné. C'est même pas fait d'inviter, what the fuck? Ben, je vous ai invité, vous avez dit. On est occupé ce jour-là. Ah, il y avait un ginger. Hein. Je sais, Matt, il était dans ma fucking face! Ça, je sais comment qu'on monte? Pogne le bateau. Ouais. That's what she said. Ginger! Puis je m'en vais avec ça, non? Là! À droite! Yeah. Oh, faut que t'aies pogné la note de musique? Non. Ah. Ben oui, faudrait que tu prennes un plan de musique. T'en as besoin d'au moins 80. C'est quoi que ça fait les notes de musique? Jeez Louise. Les portes pour continuer le jeu. Ah ok, fait que c'est quand même Ginger. Très important. C'est Ginger qu'on pourrait éviter, right? Ben Ginger donne des jiggies. Ok, fait que... C'est quoi la priorité? Pourquoi tu veux sauver éviter ces les choses? Sauver ces bébites-là ou... Prends un peu vite, hein? C'est quoi la priorité? Sauver ces bébites-là? Pogner une note ou... C'est des jeux qui sont comme surnommés des collectathons. Il y a plein de choses à collectionner. Ok. Fait qu'on peut comme... Y'a rien à... qu'on peut éviter, I guess. C'est quoi que vous ramassez dans le fond? C'est des genres de... Des œufs, des notes de musique. C'est des œufs? Ben ça a l'air. Ouais, les shit bleus, là. C'est des œufs qu'elle a pu chier. Les shit bleus, c'est des shit. Non, mais littéralement, check, écoute. Attends, c'est pas le même. Non, comment je shit? Attends. Oh mon dieu, mais autre. Okay. Eh mon dieu, spécial! Pour avoir un côté un peu de toilette humor, là. Il y a littéralement une toilette dans ce jeu-là aussi qui te parle. Ah vraiment? Ouais. Mon dieu. Je pense ta fucking porte, puis ouvre ça. Ah, tu te rappelles de ça? Non. C'est vrai, wow. Ça me fait beaucoup penser à Crash Bandicoot, mais en beaucoup moins bon. What? What? Ouais, Crash Bandicoot is my shit. Ça, c'est pas bon. Non. Ça okay. Dit ça comme Talbot. Hein? Talbot, des fois, quand quelque chose de pas bon, il est comme... C'était pas bon! Non! Non! C'est pas bon! En regardant la caméra, vous avez vraiment drôle. Il est full sérieux. La moitié du chat va être contre toi, là. Il y a plein de monde qui était super comme... Ah, jeu de mon enfance que j'aimais! Puis là, tu es bâché dans le jeu d'enfance. Ah, faut-tu sauter là pour monter? J'ai pas le pad. Mais il est là, le pad? Non, il était invisible. Mais tu as pas activé les pads tantôt? Non. J'ai activé les trucs pour voler. Ça, c'est là. Ah! Es-tu à ce niveau-là? T'es peut-être ça. Saute en bas! Tu veux sauver du temps, mais tu skip. Matt Rage. Oh my god, there's no birdie with him. Oh, there it is. Bienvenue, Jazzy Ducharty! Mamma mia, hein? Merci! Good job! Merci de se joindre à nous, Jazzy.
Mais Kazooie, il t'offre pas jusqu'à la fin! Fix your green screen. Qu'est-ce qui marche pas dans le green screen, guys? Oh, il y a un requin! Quelque chose de pas bon dans le green screen? Je sais pas. Qu'est-ce qui marche pas? C'est ça, weird. Peut-être parce qu'on s'accote contre le green screen, nous autres, je sais pas. Il y a une barre dans le green screen. Une ligne en dessous des vies. Si on a une vie dans ce jeu-là. Ah, je pense que je la vois. C'est où? Une ligne droite. Ok. Crop top. Crop top. Ah, ben oui, je la vois. Crop top. Réglé? Pas sûr? Ouais, c'est correct. C'est... Merci, Léo. Coin gauche de l'écran de jeu. Oups. Ah ben c'est ça, c'est ça, c'est ça. Bonjour, je suis une amie d'Alex. Ah. Salut, Jazzy Docherty. T'es qui ça? Une amie d'Alex. Genre toi ou? Non, Peggy. Il est écrit en parenthèse. Ah. 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 Alright. What's up, Liam? Liam Blondin. Il est mieux d'avoir les cheveux blonds, lui. Qu'est-ce que tu fais s'il est rouge? Faut que j'aille au bucket, madame. S'il est rouge, pète une coche. Elle pétait ma coche, hein? Qu'est-ce qu'il voulait, le Captain Blubber, non? Ah non. Va voir la grosse gaga, ça va. Laquelle? T'as-tu pogné un Jiggy avant? Ah, j'allais voir le bucket, ça, là. Me Licky. Ok, I fix you. Oh, by the way, je t'ai pas dit, je l'ai, mais... Oui. J'ai pas mal eu la confirmation que pour le 30, tout était good pour les billets pour Game On. Ah. Fait que tout va bien. Fait que qui vient le 30 mai à Montréal, Centre de Sciences? Confirmé, Game On. Qui vient le 30 mai? Game On. Puis, ben, nous autres, je pense que. Tu as dit de caler la bière à Alex? Ouais. GG. Oh my god, tu vas me faire vomir partout, Alex. Pourquoi? Parce qu'il tourne en rond? Ouais, avec la caméra. Damn it! Alright, c'est quoi le mot de passe, guys? Je me demande c'est quoi, hein? Epic Joystick! Y'a pas de E. Ben là! C'est quoi le password, Julie? Je vois pas les lettres. Pas mal sûr que c'est Banjo-Kazooie, moi, qui est écrit en gros sur le mur. C'est quoi le jeu que le password est en manuel d'instruction? Ben il y avait ça dans Metal Gear Solid. Ouais, le codec number. Joe, le J est en haut. Bon, je veux que tu le saches. Pas super évident, il aurait pu prendre le meilleur typo, vraiment. Ben là... Ben... J'ai eu le chiant sur une fan de genre 1994. Ben, admet que c'est pas facile de savoir que c'est un J avec ce font là. C'est pas juste moi. K-Z-U. Là-bas. Oh. Zou... Un autre mot? Là. Oh! C'est quoi Game On? C'est une exposition sur les jeux vidéo et l'histoire des jeux vidéo qui est présentement en cours au Centre des sciences de Montréal. Donc, nous, on s'en va voir l'expo le 30 mai. Si vous voulez Alex, voir... Alex, non, pas là! Excuse-moi, j'ai... Ah! Correct! Ouais. Matt, je capote! Je répondais à la question. Ok, sur dessus puis fais grand pound. GG. Wouh! Puis c'est Denis Talbot, porte-parole, je sais pas si. Oui, Denis Talbot, c'est le porte-parole de Game On. T'es en train de stresser qu'il va mourir? Non, ok. Zéro! She don't give a shit! Ramasse les fucking notes! Ok, merci. Je t'aime aussi. T'es aussi pire que moi qui est comme. Ramasse de l'ordre, oui, Diablo! Puis après ça, c'est toi qui chiale quand je te dis ça. Mais dans ce jeu-là, c'est pas. Tu sais, t'as fucking. Diablo, c'est pas le but du jeu, ramasser de l'argent. Ça, c'est le but du jeu. Fait que c'est quoi le prochain objectif, là? Pas le plus de Jiggies? Votre titre est incorrect. Achat est un français. Non. Quelqu'un il peut confirmer que c'est pas H1N1, puis sinon, pouvez-vous le changer? On a le bot dans le chat. Mais nous, je suis allé vous checker en haut tantôt, puis c'est vrai, c'était ça. What? Ouais, ouais. Personne ne veut nous dire. Ouais.
Mais je l'ai changé avec Nightbot si quelqu'un veut changer. Ouais, oui, je suis là, Jazzy. Hey, Yams! Hey, Yams! What's up? Ben, on joue, mais pas vraiment, mais moi pis Julie, on comment sur Alex joue, pis Mathieu se frustre contre Alex. Hey, c'est plus déparant que P.T. ça. Hey, il faudrait qu'on joue à P.T. Le jeu qui est plus disponible. Ben, c'est quoi P.T.? Je l'ai, pis j'ai joué l'autre fois pis je suis stressé quand même, même si on l'a fait. On l'a pas fait remplir. Oh, c'est vrai, parlant de jeu stressant ça. J'ai tellement ri hier, Mathieu m'a montré une vidéo sur YouTube. Elders React to Five Nights at Freddy's. Ok, je m'excuse, mais même les petits vieux crient moins que Mathieu et Alex ont crié. C'est tellement drôle. C'est clair, c'est clair. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Tu frappes dans la face. Eat my penis! Take that big mouthed bird. Fucker. You hurt nipper? You hurt me nipper? C'est ça qui écrit vraiment? Fuck! Hey, c'est bien plus tough ce tableau-là que le tien, Matt. Quand est-ce que je peux y aller? Tiens, schnack, schnack. Yo! Là? Allez-vous être à G-Anime? C'est quoi ce G-Anime? C'est pire que Ori and a blind penis! What's wrong, Benjo? Is it tough? Let me know when you've had enough! Why a witch? Shit! Parce qu'elle capture la sœur de Banjo parce que la sœur de Banjo est plus belle que elle. C'est le méchant du jeu. Gruntilda. J'aime mieux le méchant. Attention, le requin là! C'est Cortez. Cortez, il est juste fucking retardé. C'est une convention d'anime. C'est où? Ah, pas si facile que toi! C'est où à G-Anime? Gay Anime. Je sais pas, mais Pandé aussi, il est comme allé à G-Anime. Ouais. Hmm. C'est pas la première fois qu'on me. Oh my god, il y a deux bébés après toi là. Convention à Gatineau. Ah mon dieu! Voilà, comment ça t'es pas en train de fourrer? Pourquoi t'es pas encore. Pourquoi t'es. Ah fuck. C'est quand t'es à ça, Gatineau? Pourquoi t'es pas en train de passer du temps avec Anne? Pourquoi t'es pogné avec nous ici là? Parce qu'Anne regarde sûrement avec lui. Ah. Ah! On est rassembleurs, Alex. Oui, dans la même pièce que lui, mais elle, elle regarde pas. C'est où est-ce qu'elle est ta vie? C'est les années qu'on là-haut. Oh mon dieu! Il a fallu savoir. Quoi? Pourquoi tu ris? Qu'est-ce qui se passe? Ok. T'as compris, toi? Ben oui, j'ai fait la joke. Non! J'ai dit. Whatever. Ouais, Anne, elle regarde pas parce qu'elle suce le bat. Ben j'ai pas dit suce le bat, mais je veux dire, c'est un sous-entendu. What? Ça sort de où, ça? Qu'est-ce qui se passe? J'aime que quand tu fais une handicap, leur face, ça fait comme. Genre, elle l'étire, là. Il devient fucking hurler. Banjo, pis qu'est-ce que c'est? That's a retarded turtle. T'as-tu vu qu'est-ce que Machi t'a écrit? C'est un turtle? C'est une fucking. C'est un crab? Non. Une ermite? Hein? Crab ermite? Ça, c'est une ermite. Crab ermite? Ça, c'est une ermite. Oui. Hermit crab. J'ai fucking first try. Chérie, t'as-tu vu qu'est-ce que Machi t'a écrit? Oui, quoi? Non. Hein? Machi écrit Matt, le but du jeu, c'est de pas mourir. Oh. Ah, c'est juste comme ça. Je suis pas mort. By the way, c'est de même. Fuck you. Ah, oh, j'aime la musique de mais... ce jeu-là. Je suis jamais rouge. J'aime le jeu de ce jeu-là, la musique de ce jeu-là. Oui, oui. C'est juste des notes. Sur un petit. Oh mon dieu. Ouais, les petits. Oui, mais c'est. Je voudrais que la faire la toune, là. Julie est menstruée à ce moment. Fucking Julie. Oh fucking shit! Hey, faut que je me tente, excusez. Mon dieu! Je suis pas mon sel. Elle se rappelle pis elle a pas son sel. Oh, oh fucking shit, je suis menstruée. Ouais, c'est ça. Mais ça va pas! Oh my god, les 4 joysticks sont là. Ben. C'est right. Un Bernard. Je cache pas Kinomode. Un Bernard? Mais c'est comme ça que ça s'appelle. What? Bernard Hermit. Eh non, c'est le nom d'un personnage dans une série télévisée, ça, non? Mais non, ça se peut pas que ça s'appelle de même! Ouais, impossible. Impossible que cet animal-là s'appelle un Bernard l'Ermite. J'y ai de cette île! C'est un fucking Bernard l'Ermite. Tu vois ça dans la fucking plage pis tu dis « Hey, un Bernard l'Ermite! » Oui. What the fuck? What the fuck is wrong with you guys?
T'as chat, chien, requin, dauphin, Bernard l'ermite. C'est pas une joke. Check, Mélie est là, puis elle confirme. Ah, oh, je lui reviens tout de suite, non? Google, motherfucking non. Google it. We're good? You're good? Ok. Je vais te laisser te... Je vais te laisser te rassurer. Alors, sors-tu l'épisode quand que je viens? Qu'est-ce que je t'ai fait sortir, Julie? Je fais comment, oh my god! Alors, viens au prochain épisode, guys. Ah ouais? N'importe quoi. Prochain épisode!